Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation d'un oracle, un oracle auto publié qui m'a été envoyé par sa créatrice Delphine euh, pour pouvoir le partager avec vous. Et je le trouve vraiment très chouette et très original. Je vous l'avais déjà montré euh, quelques cartes dans mon dernier vlog sur mes derniers euh, craquages et réceptions. Et je le trouve vraiment très très chouette. Voilà. Donc, il arrive dans une boîte comme ça, une boîte cloche hein, avec des encoches. Voilà. Euh, comment on va faire. Je vais peut-être d'abord vous lire. Elle m'a écrit une lettre euh, pour m'expliquer un petit peu euh, bah, la création du jeu et je me suis dit que ce serait chouette de vous la lire. Comme ça, bah, vous aussi, vous pourrez euh, bah, comprendre un petit peu euh, euh, la création du jeu. Alors, euh, bon, du coup, elle dit qu'elle a voulu écrire cette lettre pour, présenter, pour me présenter un petit peu les cartes. Il s'agit d'un jeu de 49 cartes, 7 séries à chaque fois de 7 cartes. Et chaque carte a son propre univers. Imprimé en édition limitée, qui ne sera pas réimprimé après épuisement du stock. Ce euh, jeu, attendez, en auto-édition, oui. Le thème de l'oracle lui est venu assez naturellement, et le projet a mis environ deux ans à voir le jour. Elle a d'abord trouvé le thème, la structure du jeu, puis elle a dessiné les cartes une à une, écrit le livret et désigné la designé, plutôt la boîte. Elle voulait mettre l'accent sur le fait que tout a d'abord été dessiné manuellement au crayon à papier, puis redessiné sur tablette par une illustratrice qui l'a aidée sur ce projet. Donc elle a, aucune image ne provient d'intelligence artificielle ou de banque de données d'images informatiques. Le style enfantin du jeu euh, de cartes est volontaire. Elle voulait un concept d'oracle différent de ce qu'on a l'habitude de voir sur le marché. Pour moi, revisiter les mêmes thèmes, symboles, etc. de ce qu'on a l'habitude de voir n'était pas très utile et elle voulait apporter du renouveau à l'art de la cartomancie. Le livret qui est fourni avec est très court, avec une courte présentation du thème, car elle pense que les cartes parlent d'elles-mêmes. Je ne mets pas non plus en avant, euh, elle ne se met pas non plus en avant ni l'illustratrice dans sa présentation, euh, parce que le but c'est plutôt de se concentrer euh, sur l'oracle et ce qu'elle veut transmettre. Significations... J'ai réussi à brûler le papier, vous, vous rendez compte Avec la bougie. Les significations des cartes sont concises avec juste quelques mots-clés car l'objectif est que l'utilisateur puisse développer leur intuition en s'appropriant les cartes et leurs significations et non en lisant les définitions toutes faites. Voilà, pour les petites explications. Encore un peu et je brûlais le papier en direct. C'est merveilleux, c'est au moi ça. Voilà, donc on va ah bah du coup regarder ça ensemble. On, je vais vous lire du coup bah, ce qui est écrit au dos de la boîte. Donc l'oracle des sept est un oracle divinatoire et intuitif créé par Delphine Ramès et illustré par Lise-Marie Beignière. Cet oracle donc est composé de 49 cartes et est associé de son livret d'interprétation. Il vous accompagnera à la découverte de différents univers lors de vos guidances. Avec ce jeu, plusieurs pistes de lecture vous sont proposées autour du chiffre 7. Il aborde les 7 âmes suivants, les 7 péchés capitaux, les 7 chakras, les 7 planètes, les 7 arts, les 7 arts libéraux, les 7 nains et les 7 merveilles du monde. Alors, ici, on a le compte Instagram de la créatrice R du Verseau et le compte Instagram de l'illustratrice. Voilà. Euh, je vous mettrai le lien vers sa boutique, Etsy, si vous voulez aller jeter un coup d'œil vous le procurer, dans la barre de description. Voilà. Bon, maintenant qu'on a dit tout ça, on va l'ouvrir. Donc, l'intérieur de la boîte est comme ceci. Elle l'a décoré également avec des petites étoiles. Le fameux petit livret est ici. On va le regarder après. Et on a les cartes. Et euh, l'intérieur est comme ça aussi avec des petites étoiles. Euh, moi, j'aime beaucoup euh, les illustrations et je les trouve vraiment euh, original. Voilà. On va d'abord regarder le livret. Ici, on a euh, la petite introduction avec évidemment euh, la symbolique du chiffre 7. Parce que s'il s'appelle euh, l'oracle des 7, il y a 7 familles, à chaque fois 7 cartes, c'est pas pour rien. Il y a quelque chose avec le chiffre 7. Donc je vous lis vite fait. Le chiffre 7 représente la perfection, l'harmonie et la complétude. Il est considéré comme un chiffre sacré dans de nombreuses cultures à travers le monde, y compris dans la religion chrétienne où il est associé à la création divine. Dans l'oracle des 7, chaque série de cartes explore un aspect différent de cette symbolique, offrant ainsi une grande variété de perspectives à explorer, que vous cherchiez à mieux comprendre vos émotions, à trouver l'équilibre dans votre vie ou à découvrir de nouveaux horizons. L'oracle des sept est un outil précieux pour vous guider sur votre chemin. Alors, n'hésitez plus et plongez dans cet univers fascinant. Alors, ici, un petit mot sur elle, hein, Delphine, voilà, ici. Euh, un petit mot sur l'illustratrice. Et ensuite, on a à chaque fois bah, chaque famille euh, de cartes. Hein. Ici, par exemple, les sept péchés euh, capitaux, si veut bien faire son focus. Et on a euh, les sept cartes à chaque fois avec quelques mots-clés. Par exemple, ici, l'avarice, on a attachement, démesuré au bien, matériel, égoïsme, etc. Et on a ça, du coup, pour toutes les familles, euh, les sept familles, du coup, de cartes. Voilà. Voilà. Bon, ici, encore un petit mot... Euh... Euh, d'explication hein, où elle vous dit qu'il est extrêmement facile à utiliser, etc. Voilà. Donc on va regarder évidemment euh, tout ça ensemble. Euh, je sais plus si je les ai mis dans l'or des cartes du coup. Euh, je crois bien. Oui. Déjà le dos, j'aime beaucoup. Voilà. Je le trouve très très joli. Il y a même un petit chat noir ici. Et ici le petit panneau oracle des 7. Les tranches sont neutres. La qualité des cartes est très bonne. Je vais quand même prendre une carte de tarot pour vous montrer la taille des cartes Elles sont un peu plus grandes, hein, il me semble, à vue d'œil. Ouais, voilà. Pas beaucoup, mais un petit peu euh, plus haut et un petit peu plus large. Et elles ont un fini un peu, euh, peu glossy. Voilà. Mais elles sont vraiment euh, de bonne qualité. Donc, on a un code couleur ici en dessous pour voir, bah, pour se retrouver dans, dans quelle famille euh, on est. Et la toute première, ce sera les sept péchés capitaux. Ouais, voilà, je trouve ça super original. Ici, on a l'avarice, l'envie, l'orgueil. C'est vrai qu'elles sont très parlantes. Hein. Rien qu'en voyant, on comprend. Hein. La colère, j'adore celle-ci. Je trouve très belle. La gourmandise. Avec McDo. Popcorn. La luxure. Et la paresse. Ensuite, on a les cartes avec bah, les sept chakras. Voilà. Le chakra du troisième œil. Le chakra du cœur. Le chakra couronne. Le chakra de la gorge avec à chaque fois la couleur ici. Le chakra du plexus solaire. Le chakra racine. Le chakra sacré. Ensuite, on a les sept planètes avec Jupiter. La lune, elle est tellement jolie avec le petit lapin, j'adore. Et le petit chat noir, là aussi. Mars, elles sont belles, les illustrations, j'aime beaucoup moi. Mercure. Saturne, le Soleil et Vénus. Ensuite, on a les sept arts, avec la bordure rouge ici. On a la sculpture. On reconnaît le penseur de Rodin. Du coup, la littérature, avec plein de genres sur les livres. Victor Hugo, drame, etc. Le mime. Oui, il y a des petits mots quand même. Hein, les secrets non dits, mystères, la peinture, l'architecture, Qu'un plan, le cinéma et la danse. Ensuite, on a les sept arts libéraux avec la bordure bleu foncé, avec l'arithmétique, la musique. Hein, J'adore la balane et Bob Marley là. L'astronomie, la dialectique, la géométrie, la grammaire, la rhétorique. Ensuite, je crois que c'est ma série préférée avec les sept nains. J'adore. Avec atium, Dormeur, avec son chat. Grincheux. <laughs> Trop marrant. Joyeux. Prof. Simplet. Et timide. Et ensuite, les sept merveilles euh, modernes. Je vais dire du monde, mais modernes. Le Christ Rédempteur. La Grande Muraille de Chine. Le Machu Picchu. Petra. Un squelette ici le Taj mahal chichen itza et le colisée voilà donc là on a vous avez vu toutes les cartes donc on va euh, les mélanger et on va en tirer deux ou trois pour voir un petit peu euh, qu ce qu'il a à nous dire il se mélange très très bien bon, en même temps j'irai vous montrer euh, les mots clés par contre, bah, il faudra s'habituer un peu aux couleurs et avoir dans quelle famille on est pour le retrouver plus facilement dans le livret vu qu'elles ne sont pas numérotées. Je mélange vraiment très très bien. Voilà, je vais mettre cette lettre. Je ne reviens pas que j'ai failli la brûler. Sur le côté, elle s'étale très bien aussi. J'adore ce dos, il est tellement beau. Et on va déjà en tirer bah, deux pour voir. Une et deux. Mais on verra après si on va préciser avec une troisième ou pas. Voilà, je vais le laisser là sur le côté. Prendre le livret. Et on va regarder en premier qu'est-ce qu'on a. Ah, Mars. Mars, du coup, euh, avec le dieu de la guerre, si je ne dis pas de bêtises. Et la musique. Ah, j'avais dit que j'aimais bien la balade et vous parler. Du coup, on va aller voir... Euh... Bah, du coup, Mars, c'est euh, facile, c'est dans les sept planètes. Où es-tu? Où es-tu ici? Combativité, conquérant la force, l'endurance, la bravoure, l'adversité, la discipline, la guerre euh, et martiale. Ah, mais elle a mis la datation aussi, le mardi. Bon, ici, clairement, euh, ben, peut-être que vous allez faire, devoir faire preuve de combativité, euh, d'endurance par rapport à une situation hein, euh, qui vous tombe dessus, un petit peu comme moi, hein, d'ailleurs, avec le petit chat. Il hein. faut faire preuve de com combativité et endurance. Hein. Euh, et trouver la force pour essayer euh, bah de que tout aille bien. Voilà. Et alors, la musique, ça, du coup, on est dans les sept arts. Je ça super original, moi, d'avoir mis euh, les sept péchés capitaux aussi. Euh, où es-tu, la musique C'est ici ou c'est dans l'autre Ah non, c'est dans l'autre dans les sept arts libéraux. Fréquence sonore, les sons, l'audition, la clairvoyance et l'harmonie. Bah ici, peut-être qu'on pourrait, euh, pourrait, ça me fait penser euh, à la musique adoucie les mœurs. Voilà, peut-être euh, qu'on me conseillerait ou qu'on nous conseillerait plutôt d'écouter euh, peut-être de la musique pour se détendre. Et bah, c'est vrai que ça peut apporter euh, une certaine sérénité aussi. Euh, peut-être qu'on a besoin un peu de lâcher du lest et de se détendre dé euh, et de retrouver un petit peu d'énergie. Donc, pourquoi pas... Euh, écouter de la musique pour se détendre. Voilà. Euh, moi j'aime beaucoup. Hein. Franchement j'adore ces illustrations. Euh, je les trouve très très chouettes. Euh, et j'adore les, les, le thème des sept familles aussi, dont les sept nains, là j'adore, je trouve ça vraiment super chouette. Euh, je le trouve vraiment très original. En tout cas, bravo à Delphine pour cette création. Euh, parce que j'aime beaucoup et évidemment merci de me l'avoir envoyé. Hein. Euh, ça m'a beaucoup touché. Voilà. Du coup, dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà vu passer cet oracle ou pas du tout, si c'est une découverte, si vous le trouvez chouette aussi, si vous le trouvez original euh, les sept familles, euh, si le message vous parle aussi. Pourquoi pas Dites-moi tout ça dans les commentaires. Comme ça, on partage tout ça ensemble, comme d'habitude. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.